Bonjour les amis, bienvenue dans mon atelier de l'horreur. Une nouvelle vidéo pour vous faire crier de frayeur. Bienvenue dans une nouvelle vidéo Halloween. J'espère que vous allez bien. J'ai commencé un peu à l'avance parce que c'est assez long à faire pour faire une lollipop une lollipop Halloween quoi. Donc j'ai fait avec les feuilles 30-30 3 bandes de 10 cm. Si vous avez ça, vous utilisez ça, ça va plus vite quand même pour faire les pliures. Donc je fais des pliures tous les, je sais pas, c'est incapable de vous dire, je fais ça au pif, à 1 cm à peu près, un petit peu moins d'un centimètre. J'assemble mes trois bandes que je suis venue coller avec le pistolet à colle. Et puis, je voulais autre chose que j'ai pas montré l'autre fois. J'ai dit à Chantal, j'oublierai pas de le montrer cette fois. Quand j'ai fait les réceptions de courrier, j'avais oublié de montrer son ticket frayeur. Alors qu'il est super beau. Et j'ai dit, ouais, des fois, je suis pas très, très concentré, quoi. Donc, j'oublie des trucs. C'est pour ça, il ne faut pas vous offusquer, vous me le dites. Et puis, je corrige l'erreur, hein, il n'y a pas de problème. Voilà son joli petit ticket frayeur. Avec... Bon, c'est bizarre parce que je me voyais dire ça. Il y avait chauve-souris, un chat, c'est peut-être sa carte. Ou, elle avait fait une mémoire Edex. Petit fantôme, j'adore cette petite découpe de fantôme. J'en ai un, j'ai vu là. Et ben voilà. Donc, merci Chantal. Et puis, mes excuses encore une fois. Il faut que je range d'ailleurs tous les tickets, tout ça. Je vais essayer de vous faire plusieurs vidéos à la suite parce que bah, j'ai rien fait quoi de spécial. Donc, une fois que vous avez vos trois morceaux, vous les collez entre eux. En espérant que ça tienne, c'est pas dit. Et après, vous venez. J'aime pas trop faire ça parce que d'abord, j'aime pas faire tout ce qui est pliage. J'ai horreur de ça, horreur. C'est pas des trucs que je fais. Voilà. Et après, vous venez faire, je crois, un truc comme ça. J'en ai fait, mais il y a très longtemps. Franchement, il y a longtemps. Ah ouais, d'accord, elle va quand même être vachement grande. J'avais pas vu. Donc, en faisant des bandes de 10 cm par 3, vous avez quand même une très grande. Si j'avais la règle, ça serait bien. Voilà, la truc a fait 20 cm. De diamètre, bah, de circonférence, enfin vous m'avez compris. Et là je vais venir donc coller ça et ça va pas être du coton. C'est moi qui vous le dis. Donc on va essayer de faire ça. Je viendrai mettre un truc au milieu hein, pour cacher. Voilà, on va essayer de faire ça comme ça. Je sais pas du tout ce que ça va donner. À moins. Non, attendez, je sais ce que je vais faire. Je vais déjà couper une rondelle avec ça. Avec du papier noir. Voilà, je vais déjà faire deux ronds de ça. Et ça sera peut-être, je dis bien peut-être, plus facile. Déjà pour la faire maintenir. Peut-être comme ça, je ne sais pas du tout. Quoique, ça pourrait aller. Hein. Ne bougez pas, ce n'est qu'un début. Je ne sais pas du tout comment faire tenir ça. Ah non, là. Sans se brûler surtout. Là, je vais mettre une là, mais franchement... Pas convaincu. Il doit y avoir une façon de faire pour que ça colle, mais surtout grande comme ça, je crois que j'ai jamais fait aussi grande. Hein. Non. Voilà, sinon je vais voir comment je vais faire pour la faire tenir. Donc j'ai remis de la colle au milieu, et puis là ce que je fais, c'est que je vais maintenir pendant quelques instants pour que bah pour que ça prenne quoi, pour que la colle prenne. Voilà, après j'ai pris des petits éléments. Oui, j'ai pas bien mis au milieu, mais bon, c'est pas grave, je vais venir cacher. J'ai ça aussi, donc je sais pas si je reste. Petite image de chouette comme ça. Je vais voir, je sais pas.
J'essaie d'en mettre un peu partout, quoi. J'aime bien celle-là. Hein. Elle est jolie, celle-là. J'ai envie de mettre celle-là avec ça. Ça, j'aime pas trop, mais tout est bloqué. Je ne peux pas ouvrir mon tiroir. Il y a plein de trucs dessus. Donc, j'essaie de faire ça un peu. Pas qu'on voit du blanc, là. Je mets du feutre autour. Il faut vraiment mettre, pas hésiter à mettre beaucoup de colle au milieu. Hein, parce que, comme le papier est très rigide, bah, il a tendance à se réécarter. Enfin, oui. Est-ce que je veux dire, quoi. Voilà, d'accord. Donc, je vais essayer de mettre mon petit bout de tissu parce que j'aime bien. Hop, comme ça. Ma petite chouette, elle avait du scotch, mais c'est pas grave. Comme ça. Bon, oui, ça reste mignonnet, mais bon. J'aime bien quand c'est un peu. Ma petite citrouille comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez bien parce qu'il y a un fouillis sur le bureau. Oh, je vous dis même pas. Là, j'avais un petit peu de lichen là. Je sais pas, j'ai envie d'en mettre. J'ai envie. Voilà. Là aussi. Ah bah. C'est quand même, on va pas faire dans la dentelle non plus. Ah bah tiens, en parlant de dentelle, c'est vrai que je voulais en mettre. Donc voilà, j'avais pris ça. Est-ce que je viens à mettre? Je pense que oui. Alors, je vous remercie pour tous les super commentaires que j'ai eu encore. C'est trop gentil. Les nouveaux abonnés aussi. Je vais voir là. Si je peux. À moins que je mette ça en deux. Vous voyez, on va mettre un peu comme ça. On va y aller parce que de toute façon, il n'y a plus de colle. Sans blague. Mettre un peu comme ça, vous voyez. Absolument que je pense à... Il me semble qu'il me reste encore des petits bâtons de colle, mais je suis pas sûre. Je sais plus si je les ai mis dans mon petit pot là ou pas. Tu vois les fuites de colle qui empêchent de bien faire les choses. Hein. Alors c'est du papier des blocs actions de les blocs d'automne, je crois. Et ils ont tendance à se déchirer. Vous voyez, quand on fait des pliures, c'est moyen, moyen, quoi. Voilà, comme ça. Ça peut faire pas mal. Ça peut faire pas mal. Là, j'avais des petits fantômes aussi. J'ai ma petite sorcière, là. Mais j'aime bien les fantômes. Donc, je pense que je vais en mettre un, là. Comme ceci. J'en avais un autre. Où est-il? On ne sait pas. Je ne sais pas où il s'est barré. Je ne sais pas. Ça, elle est bonne, celle-là. J'avais sorti, j'en avais deux. Ça, c'est ma petite étiquette Halloween. Je pense que je vais la mettre là. J'espère que ça ne va pas fondre parce que c'est du plastique. Où est-ce qu'il est, mon deuxième fantôme? Parce que là, j'en ai un petit en papier. Ceux que je vous dis qu'ils sont mignons, mais... j'aurais plutôt remis hein, en feutrine. Regarde ce que, il est là. Il y en a un là. On adore. Ça aussi, c'est trop mignon. J'ai mes têtes de mort, mais ça, je les réserve pour autre chose. Donc, lui, on va le mettre là. Ça là, ça donne ça. Ouais, je sais pas si je suis bien dans le champ.
Et est-ce que je mets la petite sorcière ou pas? Il faut que je mette les attaches, enfin la paille là. Peut-être pas, hein, peut-être que ça suffit. Je vais voir si j'ai des strass, des perles. Ah ouais, j'avais une chenille comme ça là. J'aurais voulu une orange, mais j'ai pas. J'ai pas. On va voir si on peut la mettre là-dessus. Faites un beau torpicot autour de votre crayon. Un fil de colle. J'aurais préféré, vous voyez, or, parce que là, il y a de l'or, quoi. Mais j'ai pas. Une tête de mort, j'ai pas envie. Ça m'embête ça. Je vais regarder ça. Alors, j'ai trouvé. Ah, ouais, violet. Peut-être pas plus mal. Hein. C'est dommage hein, que j'ai pas. Que j'ai pas une. Cuivre, couleur cuivre, quoi. Non, mais là, j'ai pas. Hein. Donc, bon. On va faire avec. Hein. Je vais voir si ça va dessus. Parce que là, marier l'argent et l'or, je sais pas, ça me branche pas. Je vais rater. Parce que je veux pas mettre trop de temps, hein, sinon je mettrai en accéléré. Et est-ce que je mets des petits trucs mauves là? J'ai envie de dire pourquoi pas. Pourquoi pas. C'est pas pratique du tout. Ça peut être là. De toute façon, je vais pas en mettre 50 non plus. C'est pas la peine. C'est pas la peine. Je sais plus où j'ai mis la colle. Voilà. Je pense que comme ça, ça y va. Il y a celle-là où. Peut-être celle-là ou celle-là, peut-être ça ira mieux ça. Donc on remet, mais tout vient, tout se colle partout. Hop, voilà. Peut-être que celle-là ça ira mieux. Faut espérer parce que là j'en ai assez. Moi, vous savez, les créas, faut pas que ça dure de trop, quoi. Voilà, les amis. J'en ai fini pour ma rosace. Ou alors, on n'était pas aussi obligé de la faire en lollipop. Hein. Je pouvais très bien mettre un ruban en haut et puis venir... comment? J'écarte un peu le truc, là. Un ruban et puis venir l'accrocher, quoi. Faire une déco, voilà. Comme ça. Hein. On aurait pu aussi faire des perforations, là, sur les bords. Voilà. Je vous fais à tous de gros bisous, j'espère que ça vous aura plu, ça peut faire une petite déco ou pas. Hein. Et puis, je vous retrouve très vite pour une future vidéo Halloween. Là, je vais vous matraquer de vidéos. Ah bah vous l'avez mérité. Je vous fais des gros bisous, bye bye. Thank you.